Et donc, je vais vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue à cette quatrième déjà séance de notre nouveau cycle de conférences qui s'appelle À la rencontre des historiens et des historiennes de la santé. Vous le savez peut-être si ce n'est pas la première fois que vous êtes là, mais je vais le répéter pour ceux et celles pour qui c'est la première fois, que donc le réseau historien de la santé qui a pour objectif de rassembler les chercheurs dans ce domaine à travers la francophonie depuis une dizaine d'années maintenant, a décidé de fêter sa décennie. Sa première décennie en organisant donc un nouveau cycle de conférences qui part à la recherche des nouveaux et des nouvelles historiens et historiennes de la santé, ou en tout cas ceux qui renouvellent le champ par des approches originales, par des méthodologies inédites ou par des terrains d'enquête inattendus. Et donc on se réunit une fois par mois autour de thématiques. La thématique qui nous réunit aujourd'hui et qui va nous animer est celle des marginalités thérapeutiques, avec tout le mystère que cela inclut. Et donc, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux chercheurs et chercheuses dans ce domaine. Je vais les présenter non pas dans l'ordre que je devrais, mais dans l'ordre dans lequel ils vont parler. Et donc, le premier, ce sera Léo Bernard, qui est docteur en histoire des religions, qui est aussi président de l'Association francophone pour l'histoire universitaire des courants ésotériques, et qui va nous parler du travail qu'il a mené autour de sa thèse qui s'appelait Hippocrate initié, courant ésotérique et holisme médical en France durant l'entre-deux-guerres, et qu'il a soutenu en février dernier. Et ensuite, après donc la présentation de Léo, un petit temps de questions, et on pourra passer à notre deuxième volet de la journée, qui est donc l'intervention de Zoé Dubus, qui est doctorante en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, et qui travaille donc sur les transformations des pratiques médicales ainsi que des politiques de santé en lien avec l'utilisation des psychotropes. Donc, je sais que ça passionne les gens et que les gens sont là pour ces deux types de marginalités thérapeutiques-là. Donc, comme le veut la tradition et comme fonctionnent nos séances habituellement, je vais me taire très très vite. Je vais laisser la parole à Léo Bernard pour une vingtaine de minutes, qui sera suivi donc par un temps de questions avec la salle. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou directement en ouvrant votre caméra puis en parlant. Et ensuite, il y aura 20 minutes pour Zoé Dubus et encore un temps de questions. Puis si le débat s'y prête, on pourra échanger évidemment autour des deux interventions à ce moment-là. Je me tais, je vous remercie encore toutes et tous d'être là aujourd'hui. Je remercie évidemment Léo et Zoé d'avoir accepté mon invitation. Si ça vous va, Léo, la parole est à toi pour les 20 prochaines minutes. Merci encore. Merci à toi, Alexandre. Chers auditeurs, chers collègues, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à remercier bien chaleureusement donc Alexandre Klein pour sa généreuse invitation à présenter mes travaux et donc pour tout son travail d'animation du réseau historien et historienne de la santé. Un réseau, nous en conviendrons, qui sont très utiles pour nous tous et notamment pour se tenir informés donc des dernières recherches menées dans le champ de l'histoire de la santé. Je vais profiter donc des 20 prochaines minutes de l'opportunité qui m'est offerte pour vous présenter mes travaux ma démarche de chercheur qui, je l'espère, participe à leur modeste échelle à renouveler l'historiographie francophone dans le domaine de la santé et de la médecine. J'évoquerai donc pour cela mon parcours personnel, les interrogations qui m'ont amené à développer le sujet de ma thèse, le contenu synthétisé de celle-ci, ainsi que quelques-uns des résultats obtenus dans ce cadre-là, et je conclurai brièvement en traçant les contours d'un programme de recherche qui pourrait, selon moi, être mené en poursuivant dans cette veine. Donc, avant la thèse, je ne me suis d'abord pas spécialisé comme historien de la santé, mais comme historien des religions. J'ai en effet obtenu un master en histoire et sciences des religions à l'Université de Strasbourg, et mon sujet de mémoire n'avait alors pas à voir directement avec la médecine. Il était question d'écrire en fait la biographie d'une occultiste anglaise. Plutôt méconnue de l'historiographie, alors même qu'elle est à l'origine d'un mouvement très influent dans le paysage spirituel occidental depuis les années 1920 et un mouvement qui est encore vivace de nos jours. Donc, Alice Bailey, puisqu'il s'agit d'elle, a en effet fondé un important mouvement international centré autour d'une organisation, le Lucy Trust, qui était chargée de diffuser ses écrits qui étaient précurseurs du mouvement New Age et qui étaient centrés autour de l'idée d'une réapparition du Christ et des moyens de favoriser celle-ci. La vision du monde que Bailey développe et diffuse découle alors de son passé d'évangéliste, mais elle découle aussi surtout de sa rencontre avec la Société théosophique, à laquelle elle adhère en 1915 aux États-Unis. Donc,
La société théosophique, elle a été fondée en 1875 au sein des milieux spirites et elle constitue elle aussi une organisation d'envergure mondiale qui vise, je cite, à collecter et diffuser la connaissance des lois qui gouvernent l'univers. Donc ces lois sont en partie compilées par l'une des fondatrices de la société, peut-être la figure la plus connue, Elena Blavatsky, dans The Secret Doctrine en 1888, donc une publication plutôt volumineuse qui se présente comme une synthèse de la science, de la religion et de la philosophie qui aurait été inspirée à son auteur par de mystérieux mahatmas orientaux. Bailey s'engage activement dans cette organisation, donne des conférences sur l'étude de la Bible d'un point de vue occulte notamment, mais ses aspirations à plus de reconnaissance au sein de la société théosophique sont rejetées par la présidente de l'époque, c'est-à-dire Annie Besant, aussi une figure assez connue également. En fait, comme dans le cas de Rudolf Steiner avant elle, avant Alice Bailey, donc, cette dissension entre Besant et Bailey débouche sur la fondation de l'organisation propre à Bailey, qui est donc chargée de diffuser ses nombreux ouvrages, qu'elle déclare également inspirés par un maître tibétain communiquant avec elle par voie télépathique. Donc, mon mémoire s'est appliqué à retracer l'évolution de cette organisation dans son contexte géopolitique et culturel particulier. Et j'ai notamment étudié l'inscription de ses écrits dans le champ plus large de la psychologie. En effet, l'un des grands objectifs des livres d'Alice Bailey est de favoriser le développement spirituel des hommes, d'éveiller en fait leur conscience et leur potentiel latent afin d'ater le nouvel âge à venir. Donc, cet objectif s'inscrit dans une cosmologie spécifique, mais il rejoint celui de dizaines d'auteurs de psychologie populaire, et alors en plein essor aux États-Unis, du fait de l'insuffisance notamment des réponses religieuses aux attentes et besoins individuels de l'époque. Donc ce contexte particulier se retrouve dans les écrits de Bailey, qui emprunte de nombreuses citations à différents psychologues, aucunement reliés au mouvement théosophique, mais plus intéressant encore, les théories développées par Alice Bailey ont en retour pu exercer une influence plus ou moins profonde sur certains psychologues et psychanalystes. Et c'est notamment le cas de Roberto Assaggioli, fondateur de la psychosynthèse, donc une méthode de psychothérapie qui consiste à soigner, mais aussi à développer la personnalité des individus en tenant compte de leur dimension spirituelle. Donc, je ne rentre pas dans les détails, bien sûr. Mais tout ça pour dire que j'ai pu remarquer que l'influence intellectuelle et culturelle des écrits intrigants d'Alice Bailey a été en fait plus profonde que ce que l'on peut s'imaginer à première vue. Et donc, ce constat n'a pas manqué de faire son chemin dans mon esprit, d'autant plus qu'il s'inscrit au cœur des travaux menés au sein d'un champ de recherche international qui est actuellement en plein essor, celui des études sur l'ésotérisme occidental. En effet, donc, la grande satisfaction de mon master était de découvrir que l'œuvre d'Alice Bailey, que j'avais rencontrée en fait un peu par hasard et dont j'avais entrepris l'étude, surtout en constatant l'absence de monographie sur le sujet, l'œuvre d'Alice Bailey, donc, elle peut être comprise comme relevant d'un ensemble plus important, plus large, les courants ésotériques modernes qui sont au centre des préoccupations d'un ensemble réduit mais dynamique de chercheurs depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc ces courants, quels sont-ils? Qu'est-ce donc qui les réunit pour qu'ils puissent être étudiés sous une même étiquette? Et quel est l'intérêt, hein, au juste, de leur étude? Donc pour répondre à ces questions, il convient selon moi de retracer un bref historique du champ de recherche, de sa naissance et de ses évolutions. Donc, je vous le fais brièvement, mais selon moi, donc, la pierre fondatrice, elle est réellement posée au début des années 1970 par le germaniste Antoine Febvre, qui est alors un spécialiste de l'illuminisme allemand du XVIIIe siècle et aussi, c'est aussi important, un intime connaisseur du milieu martiniste et maçonnique français de son époque. Ce milieu-là se revendique d'une tradition qui remonte au moins jusqu'aux alchimistes du Moyen-Âge, en passant par les hermétistes de la Renaissance, les illuministes donc, et aussi les occultistes de la fin de siècle, des acteurs qui constituent dans cette perspective autant d'initiés, gardiens au fil des siècles, d'une pensée analogique et spiritualiste supposément commune. Donc les membres de l'ordre martiniste, c'est une organisation qui se revendique de l'illuministe Louis-Claude de Saint-Martin et qui a été fondée par l'occultiste Papus, le docteur Gérard Ancos, en 1891, et qui a été réactivé ensuite par le fils de Papus à la fin des années 50, se montrent notamment très actifs, les membres de cet ordre donc, se montrent très actifs dans leur volonté d'étudier les auteurs qu'ils considèrent être attachés à cette tradition occultiste, et surtout, ils entretiennent une certaine proximité avec le milieu universitaire, et donc l'exemple de Febvre en témoigne, puisqu'il rejoint l'ordre martiniste durant quelques années,
avant donc d'appeler à l'étude de l'ésotérisme chrétien du XVIe au XXe siècle dans un chapitre de l'histoire des religions, donc une œuvre collective dirigée par un professeur du Collège de France, Henri-Charles Pouech, et publiée à la Pléiade. Donc ce chapitre est selon moi fondateur, car pour la première fois, en fait, une étude académique prestigieuse regroupe derrière le concept d'ésotérisme, et donc dans une perspective transpériodique large, toute une variété d'acteurs et de courants encore considérés de nos jours comme relevant des courants ésotériques, donc du Corpus Hermeticum à Papus, en passant par Paracelse, Emmanuel Swedenborg ou encore Eliphas Lévi. De plus, Antoine Febvre, qui dirigera par la suite une chaire d'études spécialisée dans ce domaine à l'École pratique des hautes études, se distingue tout au long de sa carrière comme le grand promoteur de ce champ de recherche, qui se développe donc d'abord comme un sous-champ de l'histoire des religions. Et donc les travaux de Febvre ont inspiré plusieurs générations de chercheurs qui ont toutefois pu développer des compréhensions différentes de ces courants et de ce qui les relie et des manières de les étudier. En effet, pour Febvre, donc certainement influencé par le milieu martiniste et maçonnique de son époque, donc, l'étude diachronique de l'ésotérisme se justifie par la forme de pensée commune qui relierait ces différents auteurs à travers les siècles. Donc, dans son chapitre 970, cette forme de pensée sont lui marquée par trois caractéristiques principales. L'analogie, donc postule des rapports d'un certain ordre, entre les choses et les êtres. La théosophie, qui est pour lui synonyme d'ésotérisme, c'est-à-dire en fait les points de doctrine négligés ou passés sous silence par l'exotérisme des églises constituées, et la notion d'église intérieure qui dépasse les barrières confessionnelles. En outre, son attitude est pro-ésotérique, c'est-à-dire que Febvre perçoit la réhabilitation de la pensée ésotérique comme un remède à l'urgence de la situation intellectuelle et spirituelle actuelle, jugée trop réductionniste et appauvrissante. Donc, cette critique du monde moderne est partagée au sein des réunions d'Eranos, donc, qui est alors le haut lieu de l'étude de l'histoire des religions, des réunions auxquelles il participe, mais donc cette critique elle est aussi partagée, bien entendu, par les courants ésotériques eux-mêmes. Néanmoins, en phase avec les évolutions historiographiques dans le champ de l'histoire des religions, Febvre va toutefois abandonner cette attitude en faveur d'une approche plus rigoureusement historico-critique. Mais s'il s'agit désormais d'étudier les courants ésotériques dans leur contexte historique de réception, donc sans autre objectif affirmé que de faire progresser le savoir historique général, sa conception de l'ésotérisme comme forme de pensée, elle, reste toutefois globalement la même, bien qu'elle soit plus fouillée et bien sûr mieux définie. En tournant du XXIe siècle, toutefois, il y a un autre historien qui va prendre les rênes du champ de recherche en proposant de considérer sous un autre angle l'étude des courants ésotériques et de ce qui les relie entre eux. Donc, plus qu'une forme de pensée, Wouter Jean Graff, donc cet historien-là, développe l'idée que l'ésotérisme ne constitue qu'une étiquette, en fait, derrière laquelle ont été rejetées toute une foule d'auteurs et de courants. Donc, à travers une étude historiographique minutieuse, il démontre dans l'ouvrage intitulé Esotericism and the Academy, donc un ouvrage publié en 2012, que l'ésotérisme a d'abord été rejeté comme fausse religion, puis comme fausse science, avant de connaître une forme de retour en grâce depuis les romantiques et jusqu'à Febvre. Surtout, il propose de continuer à utiliser cette étiquette, donc en ayant conscience de son passé, de ses limites et de son caractère artificiel, de développer une historiographie qui étudierait avec sérieux les courants historiques qui, eux, sont bien réels, donc les courants historiques qu'elle recouvre. Ceci donc afin d'avoir une image plus précise de leur importance historique, non, sur les plans intellectuels, artistiques, sociaux ou encore politiques. Parce que il est vrai que ce processus de rejet subi, mais aussi, c'est important de le dire aussi, parfois choisi par les courants ésotériques, n'a pas été sans avoir un impact sur leur manière d'être considérée par les historiens. Et le cas d'Alice Bailey est à ce titre frappant, puisque aucune monographie donc, ne lui avait été consacrée et son cas n'a jamais été évoqué, à ma connaissance, par les historiens de la psychologie, alors si ça a été, c'était vraiment à la marge. Donc les historiens et les ésotéristes s'appliquent à aller au-delà de ce que l'on peut penser d'écrits supposément dictés par voie télépathique par un mystérieux maître tibétain, et en adoptant donc un certain agnosticisme méthodologique et en étudiant donc dans les faits les influences, la diffusion et la postérité de ce type d'écrits. Un certain nombre de travaux ont aussi pu voir le jour, et relever l'importance des courants ésotériques dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine artistique, on peut évoquer le cas du surréalisme par exemple, ou alors dans le champ politique, contribuant donc ainsi à renouveler
le savoir historique sur ces questions. Donc, plutôt enthousiasmé par ce programme de recherche établi par Anne Graf et donc acquis à son intérêt par mes premiers travaux sur Alice Bailey et son rôle dans le champ de la psychologie, j'ai donc décidé de monter un projet de thèse qui vient enfin donc sur les relations entre courants ésotériques et un domaine encore peu étudié sous cet angle-là, notamment du fait que l'histoire des courants ésotériques naît d'abord comme un sous-champ de l'histoire des religions. Donc ce domaine-là, bien sûr, c'est celui de la santé et de la médecine. Le thème général étant trouvé, il restait donc à orienter et à préciser les limites de ce projet. Et donc pour cela, il y a un article qui m'a beaucoup aidé, un article rédigé par George Weiss, donc un historien de la médecine canadien que vous devez bien connaître. Cet article, il s'intitule « A moment of synthesis, medicalism in France between the wars ». Donc, il décrit la naissance dans le contexte français, je cite, d'un mouvement autoconscient construit autour de la doctrine holiste qui s'est progressivement bricolé durant la période d'entre-deux-guerres. Parmi les figures médicales mentionnées par Weiss et qui ont permis la construction de ce mouvement, deux d'entre elles notamment ont attiré mon attention pour leur affinité qui avait déjà pu être partiellement documentée avec les courants ésotériques. Et ces deux médecins-là, ce sont d'abord le médecin naturiste Paul Carton, 1875-1947 pour les dates, et l'homéopathe René Alindy, qui est un peu moins de la même génération, un peu plus jeune. Ces affinités entre médecins et groupements spirituels appelaient donc à être davantage explorées, et donc l'idée est d'étudier la proximité que l'ensemble de ce mouvement, c'est-à-dire le holisme médical français d'entre-deux-guerres, a pu entretenir avec les courants ésotériques de son temps, s'est donc imposé plus ou moins d'elle-même. Le concept de holisme médical, donc, qui est au cœur de ma thèse, est développé plus largement avant moi donc, dans l'ouvrage collectif d'où est extrait l'article de Weiss et qui constitue en fait les actes d'un colloque. Donc, cet ouvrage, peut-être que vous connaissez, il s'appelle Greater Than the Parts, Holism in Biomedicine 1920-1950. Donc, cet ouvrage s'est penché en fait, sur les diverses critiques adressées à la médecine dite orthodoxe durant la première moitié du XXe siècle et donc réunit ici derrière l'étiquette du holisme médical. Ces critiques s'opposent à une médecine qualifiée de réductionniste, trop dépendante du laboratoire, trop mécanisée, qui aurait perdu de vue la complexité de son art, c'est-à-dire soigner des malades. Ces médecins défendent au contraire une attitude médicale qui consiste à concevoir le corps humain d'une manière systémique, donc, comme un tout, aux aspects physiques et psychiques interconnectés, inscrits dans un environnement spécifique, et donc à appréhender en premier lieu la globalité de ce terrain pour soigner son patient. Donc, si l'ouvrage Greater Than the Parts s'intéresse principalement à des figures médicales relativement reconnues, donc elles-mêmes inscrites dans la médecine orthodoxe de leur temps, pour en former un aspect particulier, donc l'idée que les critiques de la médecine orthodoxe viennent aussi principalement de la médecine orthodoxe, c'est vraiment au cœur de cet ouvrage. Moi, j'ai aussi décidé de combiner donc, le concept de holisme médical avec l'étude des marges médicales, notamment dont Olivier Faure a appelé notamment à l'étude récemment. Les marges médicales dont l'histoire, elle aussi, est mal connue, surtout en France, et qui a souvent été écrite à part, alors même que ces marges-là ont pu entretenir de nombreux liens avec la médecine orthodoxe de leur temps, notamment, et donc pour le cas de l'entre-deux-guerres, du fait de leur perspective holiste commune. Donc, dans ma thèse, j'ai divisé le milieu de holisme médical français d'entre-deux-guerres en quatre grandes composantes. Le naturisme médical, d'une part, l'homéopathie, la réflexothérapie, qui inclut l'ostéopathie, l'acupuncture notamment, les réflexothérapies nasales, etc. Et donc, le quatrième aspect, c'est les divers aspects holistes de la médecine orthodoxe de l'époque, c'est-à-dire endocrinologie, neurologie, psychothérapie ou encore morphologie. Donc, voilà, pour vous donner un peu une idée de ma thèse, sa structure. La première partie a été plutôt descriptive, c'est-à-dire que j'ai détaillé l'essor de ces quatre composantes tout au long des années 1900 et 1930, en présentant donc les différents acteurs, les différentes publications, différentes conceptions qui animent chacun, et donc en accordant une importance particulière à la présence éventuelle des courants ésotériques dans ce milieu, donc, que ce soit par la participation d'un occultiste à telle revue médicale, l'adhésion de tel médecin à telle société ésotérique, les éventuelles correspondances échangées, etc. Donc pour ça, il a fallu que je consulte aussi bien les publications médicales fort nombreuses de l'époque que les revues occultistes également en nombre. Et à partir de là, la seconde partie, elle était plutôt analytique, donc, et elle a étudié les effets de cette présence et de ces rapports, et donc l'influence qu'ont pu exercer les courants ésotériques sur ce milieu médical. Donc cette influence, elle s'est exercée en fait selon plusieurs modalités.
D'une part, sur les conceptions éthiologiques et les considérations thérapeutiques qui en découlent, qui dérivent donc de visions du monde et de l'homme particulière, mais aussi, d'autre part, avec la diffusion de pratiques, de diagnostics, comme l'astrologie, la physiognomonie ou la chirologie, des pratiques qui sont donc développées au sein des courants ésotériques à la période contemporaine et qui sont utilisées, réutilisées par certains médecins pour avoir une meilleure connaissance de leurs patients supposés. Et enfin, donc, le dernier chapitre de cette partie a porté sur les discours et les aspirations communes aux médecins et aux occultistes, donc le constat d'une crise du monde moderne et l'espoir d'une voie de sortie par un retour à la sagesse traditionnelle, symbolisée par la figure d'un Hippocrate initié au secret des temples. Voilà. Donc voilà pour le résumé express du contenu de mon travail. Je pense qu'il est quand même préférable que je vous présente quelques aspects en particulier. Je crois qu'il me reste encore un peu de temps. Donc, premier exemple, on peut parler du naturisme médical de Paul Carton, que j'ai déjà évoqué. Je vais peut-être passer sur ma définition du naturisme médical de l'époque. Je crois que je manque un peu de temps. Mais globalement, je la comprends comme l'aspect médical de la Lebensreform qui arrive en France un petit peu sur le tard, hein, qui arrive donc d'Allemagne et de Suisse un petit peu sur le tard. Donc, c'est des conceptions médicales qui englobent diagnostic, prescription alimentaire, recours à des médications mettant en jeu des agents naturels tels que l'eau, l'air, la lumière, etc. Des recommandations hygiéniques, sportives, etc. Qui sont donc compris dans un mouvement plus large de retour à la nature. Ce mouvement-là, le milieu naturiste, est composé de nombreux médecins. Ça s'articule autour d'un certain nombre de revues et de sociétés, une dizaine environ. Et à chaque fois, en fait, la présence des courants ésotériques se manifeste non pas à la périphérie, mais bien au cœur de ce milieu. Si on prend l'exemple de Dr. Paul Carton, alors que paradoxalement, il est en fait socialement isolé en conflit avec les autres médecins naturistes, ses écrits ont essaimé chez tous ses concurrents, donc il s'en inspire grandement. Et ces écrits, en fait, ils sont très influencés par les courants ésotériques auxquels Carton a pu prendre part durant quelques années. Donc, cette influence, elle ne se manifeste pas sur les procédés thérapeutiques en eux-mêmes, donc que ce soit l'hydrothérapie, la diététique, etc., parce que ces procédés, ils existent en dehors des courants ésotériques, bien sûr, ils ont existé aussi avant le naturisme médical. Mais cette influence, elle se retrouve en fait sur la manière de concevoir l'action de ces traitements, cette manière-là qui est reliée aussi à une manière particulière de concevoir le monde, l'être humain et la maladie. Donc, pour le dire vite, dans cette perspective, ces traitements naturels agiraient par le biais de la force vitale, qui serait en fait un élément intermédiaire entre l'esprit et le corps, qui se trouve dans l'homme, mais aussi partout dans l'univers, donc que ce soit dans la nourriture, dans les rayons du soleil, dans l'eau, dans l'air et même dans le magnétisme des gens qui nous entourent. Et donc l'être humain va justement la piocher dans son environnement par le biais de ses appareils digestifs, respiratoires et cutanés pour entretenir sa force vitale propre. Ainsi, par exemple, le régime végétarien serait particulièrement profitable car les végétaux posséderaient une force vitale plus condensée que la viande, qui ne comporterait, elle, que des déchets, des éléments vitaux préalablement absorbés par l'animal. Je commence à trop parler, je vais boire un peu d'eau. Voilà, donc en fait, cette influence-là, comment on peut montrer que concrètement, elle vient des courants ésotériques, cette compréhension-là? Dans le cas de Carton, c'est assez facile parce que les courants ésotériques, il les rencontre un peu sur le tard et il vient d'abord au naturisme sans avoir rencontré directement les courants ésotériques. Et donc, il publie un ouvrage en 1911 qui s'appelle « La tuberculose par arthritisme », dans lequel, en fait, son naturisme médical reste vraiment sur un plan physiologique, donc pour défendre les bienfaits du végétarisme ou des bains de soleil. Tandis qu'en 1920, donc après sa rencontre avec les courants ésotériques, son approche physiologique, elle se trouve désormais augmentée, voilà, en quelque sorte, par des conceptions hyperphysiques qui s'y superposent et qui étaient exposées avant lui par les occultistes et les théosophes. Et donc, voilà, je vais vous lire une citation de Carton. Faisons remarquer seulement que les énergies alimentaires sont de deux catégories. Les matériels, ou corps chimiques nutritifs entrant dans la composition des aliments, et les impondérables, qui sont constitués en définitive par la force vitale universelle, à des étapes diverses de différenciation. C'est cette dernière qui confère à tous les éléments naturels et crus, entre autres, cette puissance de vitalisation si précieuse à recul. Voilà pour Paul Carton. J'avais aussi prévu de vous parler de la chiroscopie d'Henri Mongin-Balthazar.
mais en fait, je crois que je ne vais pas avoir le temps de développer ça. Du coup, c'était pour vous dire un petit peu, voilà, donc Henri-Mangin Balthazar, c'est quelqu'un qui développe, qui le présente comme étant une méthode de diagnostic, la chiroscopie, du coup, qui s'inspire de la chiromancie, donc c'est voilà, l'étude des formes et des lignes de la main. La chiromancie, ça peut être vu comme pour prédire l'avenir, ce qui va arriver par la suite, mais il y a aussi une compréhension médicale de la chiromancie, et donc les lignes et les formes de la main, en les lisant, on pourrait arriver à déterminer les maladies qui touchent ou qui pourraient toucher l'individu notamment. Et donc, la chiroscopie d'Henri-Mangin Balthazar se présente comme une méthode très scientifique, bien sûr, et elle est reprise notamment par les médecins homéopathes de l'époque. Mais en fait, en creusant un peu le personnage d'Henri-Mangin Balthazar, on se rend compte que voilà, il est venu à la chiroscopie par la chiromancie et par les courants ésotériques, notamment Georges Mouchery, et par l'astrologie aussi. Du coup, voilà, j'avais précisé ça un petit peu plus, mais je vais passer. Et donc voilà, la chiromancie, c'est vraiment en fait les courants ésotériques qui ont permis son retour en grâce entre guillemets à la période contemporaine. Et on la retrouve ensuite dans le milieu, dans un milieu médical comme le milieu homéopathique. Voilà, donc pour conclure, j'ai parlé de ma thèse, je peux aussi suggérer ce qu'il est possible de faire après ça. Voilà, le projet, un programme de recherche auquel j'aimerais contribuer. Déjà, on peut noter voilà, les limites pour des raisons pratiques, bien sûr, de ma thèse, c'est-à-dire qu'elle est restreinte à un sujet, à un contexte historique et géographique assez limité, donc la France d'entre-deux-guerres. Et en plus, je me suis concentré que sur les docteurs en médecine, en premier lieu, alors qu'ils ne fournissent qu'une part de l'offre de soins disponible à l'époque, comme de nos jours. Bon, ce travail que j'ai effectué dans ma thèse, il pourrait bien sûr être reproduit pour la même période, mais concernant des pays différents. Et d'ailleurs, des études similaires ont déjà pu être menées, notamment dans le contexte américain, par le biais de Catherine Albanese et Robert Stifler, mais sans utiliser le concept d'ésotérisme. Mais surtout, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que la profondeur des rapports entre croyances, vision du monde et donc entre théorie et pratique médicale, mais après surtout d'être appréhendée à travers un temps historique plus long. C'est-à-dire que voilà, dans ma thèse, j'ai évoqué un petit peu avant les années d'entre-deux-guerres, mais je n'ai pas pu détailler autre mesure, et surtout, je me suis arrêté assez brutalement avec la Seconde Guerre mondiale, sans que l'influence donc, de ces médecins holistes de la fin des années 30, qui sont alors un peu à leur sommet, sans que cette influence-là sur le paysage thérapeutique actuel a pu être discutée. Donc c'est pour ça que j'envisage notamment de mener une étude sur les continuités donc, et les discontinuités qui unissent le magnétisme animal à la naturopathie autour des questions de santé et d'environnement, de Mesmer à Thierry Casasnovas en quelque sorte, en passant donc, par le vitalisme montpelliérain, la Lebensreform et Pierre-Valentin Marchessault, qui est considéré comme le père de la naturopathie en France. Une sorte d'histoire de la notion de force vitale, de ses liens avec celle de loi de la nature, ceci donc afin de pouvoir mettre en lumière les racines historiques de phénomènes contemporains que l'on peine à analyser sur le plan épistémologique et qui ont ressurgi avec d'autant plus d'intensité avec la pandémie actuelle. Donc je pense entre autres ici au mouvement d'opposition au vaccin, qui traduisent aussi, selon moi, une confrontation aux différentes visions du monde, du corps humain et de la nature. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et donc je suis à l'écoute pour vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci. La parole est à la salle pour des questions, des remarques, des demandes de précision, des interventions quelconques. Vous pouvez aussi intervenir directement dans le chat, puis je vais me faire votre voix pour relayer les questions. Jusqu'à sinon, je vous fais la chiroscopie d'Henri-Mangin Balthazar. Moi, j'ai une question, je vais y aller pendant que ça laisse le temps aux gens de se décider. C'est ça, moi, en effet, j'aurais beaucoup de questions, mais je vais en poser juste une. C'est sur la continuité, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire qu'il y a un espèce de revival de tout ça pendant les années 60-70, évidemment, l'influence de la contre-culture, du New Age, et aussi de tout ce self-help, donc de toute cette prise en charge de la santé démédicalisée, qui va aller chercher dans des conceptions plus holistes du corps et de la vie, des nouvelles méthodes de soins, des nouvelles approches de la santé. Est-ce que ça participe de ça? Est-ce que ça participe de mouvements
que tu essayes de décrire et que tu as pour ambition de décrire encore plus en avant? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être un épuisement de l'ésotérisme et qui est repris sous une autre forme à ce moment-là? Est-ce que c'est une rupture, est-ce que c'est une, pour reprendre ton vocabulaire, est-ce que c'est une continuité, une discontinuité par rapport à ce que tu as étudié toi dans l'entre-deux-guerres? Et ben justement, c'est tout l'enjeu d'un projet, pouvoir répondre à cette question-là. Moi, de ce que je vois quand même, c'est que donc voilà ce qu'on a présenté comme voilà, le Holistic Health Movement, le New Age, ça apparaîtrait à la fin des années 60, début des années 70, mais on voit que c'est déjà là en fait. Alors que ça a été assez peu étudié, notamment en fait, du coup, moi j'aurais aimé étudier, j'ai fait un projet de postdoctorat là-dessus, sur la continuité entre du coup ce naturisme médical-là, d'entre-deux-guerres, et donc le Holistic Health Movement, en étudiant donc les débuts de la naturopathie en France, et donc le terme de naturopathie en tant que tel, il apparaît en fait après la Seconde Guerre mondiale, du coup vraiment les années après la Seconde Guerre mondiale, 45-50, donc c'est des années qui sont très peu étudiées à ce point de vue-là, alors que en fait, si on regarde un petit peu les revues en question, Academos, donc de Pierre-Valentin Marchessault, on voit qu'on est vraiment entre donc, ce qu'on considère actuellement comme étant voilà, la naturopathie actuelle. Et donc, c'est ce milieu-là, entre courant ésotérique et holisme médical, on voit vraiment qu'il y a des liens très forts. Donc, pour moi, il y a évidemment quelque chose à écrire et des continuités. Il y a aussi des discontinuités qu'il faudrait éclaircir. Mais c'est vrai qu'on manque, je pense, dans l'historiographie francophone, au moins, voilà, une vision vraiment historique de ces médecines alternatives-là, centrées sur le XXe siècle et dans la continuité du XXe siècle. Il y a très peu de travaux, en tout cas, qui... Ouais, je suis assez Il y d'accord. a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses à faire du côté des courants ésotériques, parce que les courants ésotériques contemporains au XXe siècle, ils sont aussi très peu connus. C'est-à-dire que les études qui ont été faites par les quelques spécialistes, elles se sont surtout concentrées sur voilà, le mouvement illuministe, à la rigueur le milieu occultiste fin de siècle, donc ça s'arrête un peu en 1914. Et par exemple, les courants ésotériques français d'entre-deux-guerres, il n'y avait pas grand-chose. Il y a des articles de ci, de là, mais il n'y avait pas de monographie. Et du coup, dans ma thèse aussi, en fait, j'ai exploré tout un tas de revues qui n'avaient pas été étudiées dans leur ensemble. Du coup, de ce côté-là aussi, il y a beaucoup à faire, et notamment voilà, aussi dans la compréhension des basculements entre New Age et occultisme fin de siècle, ce genre de choses. On voit que, par exemple, un auteur comme Alice Bailey, elle est clé aussi dans cette relation-là, hein, parce que Findhorn, il se réclame notamment des écrits d'Alice Bailey. Et donc, Alice Bailey, c'est vraiment le milieu théosophique, etc., fin de siècle. Il y a beaucoup de travail des deux côtés. Merci. Je transmets la question qui est dans le chat, mais qui peut-être vous allez vouloir, de Madame Delphine Benoît, vous allez peut-être vouloir la poser parce que c'est juste un début de question, qui est j'aurais une question sur le terme de marginalité, mais peut-être que vous voulez poursuivre de vive voix. Oui, je veux bien, merci. Vous m'entendez, je crois. Oui, très bien. C'est une question qui m'est venue en vous écoutant présenter votre recherche, mais en fait qui s'adresse peut-être à tous les trois. Donc je me demandais si je la posais maintenant ou tout à la fin, après avoir écouté aussi. Mais je pourrais peut-être la reposer en fait. Bon, je la Exactement, pose allez-y, puis maintenant. on y reviendra au besoin. En fait, je m'interrogeais au sens et comment est-ce que vous entendez ce terme de marginalité dans le sens où une pratique marginale, est-ce qu'elle est vue comme marginale aujourd'hui pour l'historien parce qu'elle elle est restée en marge avec un regard donc rétrospectif par rapport aux pratiques. Mais à ce moment-là, donc moi j'ai regardé la représentation de la médecine dans l'entre-deux-guerres, dans la presse de vulgarisation en France. Donc j'ai vu ce mouvement naturiste qui est très représenté en fait. Et à partir de quel moment on peut dire qu'une pratique thérapeutique est seulement marginale ou pas? Est-ce que la reconnaissance par les institutions, l'académie, est-ce que ça suffit ou pas pour dire qu'une pratique est officielle ou marginale? Il y a quand même des médecins qui ont une pratique tout à fait orthodoxe, on va dire, et qui développent en effet des pratiques, alors je ne sais pas si on peut les appeler marginales, mais des pratiques à côté ou différentes, parfois pour une même clientèle. Et donc, je me demandais dans quel sens on peut dire qu'une pratique est marginale. Ce n'est pas par l'étendue de la pratique, parce qu'il y a, je sais pas, des actes chirurgicaux qui sont très rares, par exemple, mais qui ne sont pas considérés comme marginaux,
ou est-ce qu'ils sont considérés comme marginaux. Enfin, je m'interrogeais vraiment au sens qu'on peut donner à cette marginalité, en tout cas, peut-être le sens que vous... Enfin, je vois bien tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça peut paraître évident, mais en fait, les limites de cette... À quel moment une pratique qui est naissante, qui se développe, avec toutes ces pratiques naturistes, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, à quel moment on pourrait considérer qu'elles le sont ou qu'elles ne le sont pas pendant un court temps, en fait, où elles se développent énormément. Je ne sais pas. En fait, je me demande où sont les limites de ce mot-là, peut-être. Je ne sais pas si je suis très claire. Moi, je veux bien proposer une réponse. Donc, du coup, le terme de marginalité, ce n'est pas moi qui l'ai choisi dans le titre. Du coup, je vais laisser Alexandre Klein. Oui, mais du coup, comment vous l'avez entendu, vous, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, justement, c'est en fait, ça, en fait, on peut l'entendre de plein de façons. C'est un terme que je n'utilise pas, en fait. Enfin, je n'utilise pas ou très peu, peut-être que je parle de marginalité, mais en tout cas, ce n'est pas un concept que je développe. Moi, je préfère parler de holisme, justement, plutôt que de marge médicale, justement, pour montrer que ces médecines. Supposément alternatives, marginales, etc., elles entretiennent de nombreux liens avec la médecine plus orthodoxe, du coup, cet aspect holiste de la médecine orthodoxe de leur temps. Du coup, là-dessus, sur la marginalité du holisme médical et par exemple de l'homéopathie ou du milieu naturiste à cette époque-là, moi, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé, ce n'est pas quelque chose que je vois. Forcément d'ailleurs, et pour répondre, alors la question de marginalité et de courant ésotérique, c'est quelque chose aussi qui est au cœur des préoccupations du champ de recherche. Et il y a quand même des travaux, notamment le concept de Partridge Occulture, du coup, où il montre en fait que en fait, c'est pas vraiment marginal, hein, ça fait partie du mainstream culturel presque. Oui, non, je vais avouer que c'est de ma faute. C'est moi qui ai rassemblé les interventions de Léo et de Zoé sous ce vocable-là qui me paraissait pouvoir dire quelque chose des deux interventions et avec en toute franchise sans réflexion historiographique plus poussée que ça. Mais c'est une vraie bonne question. Je pour rebondir sur ce que disait Léo, j'imagine que ça dépend de quelle pratique on parle, parce que certaines pratiques dont parlait Léo, notamment les pratiques de chiromancie ou les pratiques qui sont plus liées à la psychologie, qui est un champ que moi que je connais mieux, on voit quand même qu'il y a certaines pratiques qui vont se marginaliser. Je pense aux travaux de Renaud Évrard qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais on voit qu'il y a des pratiques qui sont plus liées à l'étude des médiums, par exemple, ou à l'étude de ce genre de choses, qui sont au cœur de la psychologie en 1870-1880, et qui, au fur et à mesure de la formation de la science psychologique en tant que telle, vont se retrouver à la marge. Et les ouvrages de Théodore Flournoy sur les Indes et Mars et sur les médiums qui lui racontent des histoires et qui va... Voilà, tout ça, ça devient quelque chose d'un petit peu marginal parce que ça devient un petit peu exotique au fur et à mesure que la science psychologique se fonde sur des critères nouveaux de scientificité et s'extrait un peu de cette gange surnaturelle. Mais ce n'est pas le cas dans les travaux de Léo, j'ai l'impression, parce qu'au contraire, c'est des gens qui, au cœur de la médecine, essayent de faire vivre d'autres types d'expériences ou d'autres types d'approches. Et dans ce cas-là, en effet, c'est une marginalité de l'intérieur. Alors, on n'est plus vraiment dans la marge si on est dans la marginalité de l'intérieur. Mais c'est une bonne question. Merci. Je vais laisser les gens s'il y a d'autres questions, mais peut-être que on va avoir plus de réponses en effet après l'intervention de Zoé, puis qu'on pourra en débattre plus en avant. Mais si ça ne marche pas, ce sera de ma faute. Non, non, c'était pas du tout le cas. C'est juste que je... Ouais. Pardon, c'est juste que je m'intéresse aussi à des pratiques qui, dans cette période-là, émergent en fait ou se développent. Et du coup, ça résonnait beaucoup. C'était pour avoir justement un sentiment sur ce terme-là en lien avec le développement de choses tout à fait exceptionnelles à un moment donné et qui peuvent avoir des postérités différentes, en effet, par la suite. Bon, merci beaucoup. C'est une vraie question qui se pose, oui, c'est sûr. Et il aurait juste fallu mettre un point d'interrogation après le titre, c'était parfait. Ah, non, mais ce n'était pas du tout une critique, c'est tout. Bon, je me tais, je vous laisse. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions et d'autres interventions, je vais peut-être directement passer la parole à Zoé, puis on aura le temps de poursuivre les échanges après. Donc, pour faire les choses correctement, je redis ce que j'ai déjà dit, mais au mieux.
Donc, Zoé Dubus, elle est doctorante en histoire à Aix-Marseille Université. Et je vais dire ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, le vrai titre de son intervention, qui est donc la notion de choc psychique appliquée aux thérapies assistées au LSD en France. Merci beaucoup d'être là. La parole est à vous merci, pour les 20 prochaines merci minutes. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation à présenter mes recherches dans ce beau cycle de conférences. Et puis, je rejoins totalement Léo pour remercier surtout sur l'incroyable travail fourni pour tenir la liste et le blog Historien et Historienne de la Santé, qui sont des ressources vraiment précieuses pour les gens qui travaillent dans ce champ. Donc moi, ce midi pour vous, je vais vous présenter une manière d'utiliser le LSD qui a été un peu spécifique aux psychiatres français, quand d'autres thérapeutes, d'abord en Angleterre et puis ensuite au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, enfin dans le monde occidental, ont fait évoluer en fait la manière d'utiliser le LSD dans le cadre de la psychothérapie. Et donc on va voir comment le corps médical français est resté enfermé en fait dans une manière de concevoir le LSD qui l'a empêché de percevoir les potentiels thérapeutiques de la substance. Alors d'abord, on va voir un peu ce que c'est que cette notion de choc psychique. Donc c'est quelque chose qui émerge après la Première Guerre mondiale. C'est une psychiatre française qui s'appelle Constance Pascal, qui est la première femme psychiatre en France, qui observe que des soldats revenus traumatisés du front, lorsqu'ils sont confrontés à un choc, peuvent être guéris. Et donc, elle va proposer qu'on puisse utiliser des chocs pour les patients atteints de maladies psychiatriques. Alors, Constance Pascal, elle n'explique pas vraiment quelle technique elle utilise pour choquer ses patients et elle ne conceptualise pas non plus cette notion de choc. C'est quelque chose qui va être fait par ses successeurs et notamment Paul Delmas Marsalet, qui va s'inspirer des travaux du neurologue Jackson, neurologue américain, et qui va expliquer, théoriser cette notion de choc en psychiatrie. Alors lui, ce qu'il explique, c'est qu'il faut concevoir l'esprit comme un bâtiment. Et dans le cas des pathologies mentales, le bâtiment a été victime d'un ouragan. Et donc, il y a toute une partie du bâtiment qui a été détruite. Et puis, le malade fait ce qu'il peut pour essayer de continuer à vivre avec une partie de son psychisme qui reste debout. Et l'idée de provoquer un choc, ça va être de raser totalement ce bâtiment et de le reconstruire pierre après pierre avec l'aide du psychiatre dans une direction qui soit cette fois non pathologique. Donc il y a tout un tas de techniques qui vont s'élaborer dans le monde entier pendant l'entre-deux-guerres et un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, comme les électrochocs par exemple ou les lobotomies, et puis les communs insuliniques. Alors je vais m'arrêter juste 2 secondes sur cette question du commun insulinique, parce que je trouve que c'est assez représentatif des manières de concevoir les traitements de choc à cette époque-là. Donc le principe du commun insulinique, c'est que notre corps, il a besoin de sucre pour vivre, et si on retire le sucre du corps humain assez rapidement, bah, vous allez mourir. Et avant de mourir, vous allez tomber dans le coma. Donc, c'est ce que recherchent les médecins. Ils vont injecter de l'insuline pour plonger les patients dans une forte hypoglycémie très dangereuse qui les plonge dans un coma. Et ensuite, juste avant le moment critique, ils vont réinjecter du sucre, comme on voit sur l'image ici, pour que le patient se réveille. Donc, ça provoque un choc comme ça très important. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, Jean Thuillet, qui est un psychiatre à parisien qui travaille à Sainte-Anne, a écrit un chapitre dans son livre « Les 10 ans qui ont changé la folie » qui s'appelle « Le coma de Marc » dans lequel il décrit la pratique du coma insulinique vraiment avec un patient en particulier. Et c'est un chapitre qui est vraiment très intéressant, assez très bien écrit. Donc voilà, je vous recommande cette petite lecture. Alors il y a le choc, le coma insulinique, mais il y a aussi des utilisations de psychotropes, notamment dans la narcoanalyse et le choc amphétaminique. Alors là, l'idée, c'est d'injecter de fortes doses de psychotropes. Pour la narcoanalyse, c'est des barbituriques. Les barbituriques, c'est un peu les ancêtres de nos anxiolytiques, antidépresseurs. Et c'est notamment les substances qui ont tué Marilyn Monroe. Donc, on injecte ces substances-là, ou alors dans le choc amphétaminique, c'est des amphétamines. Et ça va plonger le patient ou la patiente dans un état second,
dans laquelle, malgré lui ou malgré elle, ils vont livrer des informations sur eux, des souvenirs. Le psychiatre va pouvoir aussi les questionner et essayer d'aller chercher comme ça des informations. Donc, ces informations, elles sont livrées sous la contrainte. Le patient n'est pas volontaire pour les donner. Et c'est quelque chose qui est complètement dénoncé par toute une partie de la communauté psychiatrique de cette époque, notamment dans la revue, un numéro de la revue Esprit en 1950, où il y a des psychiatres comme Henri Barrault qui dénoncent cette technique comme un viol de la personnalité, d'autant plus qu'à l'issue de la séance, le malade ne se souvient pas vraiment de ce qu'il a raconté, et du coup, voilà, le psychiatre utilise ces méthodes pour soutirer des informations à ses patients. Alors dans tout ça, eh ben, le LSD s'intègre d'abord très bien hein, dans cette pratique des thérapies de choc, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le LSD, c'est une substance psychotrope, ça veut dire qu'il modifie l'état de conscience, et il fait partie de la classe des psychédéliques. Les psychédéliques, c'est des substances qui ont des effets psychiques très intenses, très puissants, et qui peuvent, dans un certain contexte, avec un accompagnement spécial, avoir aussi des effets thérapeutiques. Alors c'est extrait à partir de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est un champignon parasitaire qui se place sur le seigle, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Et le chimiste suisse Albert Hofmann synthétise une première fois ce LSD en 1938 et va découvrir par hasard, 5 ans plus tard, que cette substance qu'il a synthétisée a des propriétés psychotropes très très intenses, très intéressantes. Et donc, après une série d'études pour s'assurer de sa sécurité, le LSD va être diffusé par le laboratoire qui le produit. Dans le monde entier, ils vont l'envoyer à des psychiatres, à des médecins, pour essayer de lui trouver des applications thérapeutiques. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on l'a utilisé dans tout un tas d'indications. Je vous ai mis les principales ici. Et en fait, entre les années 50 et la fin des années 60, le LSD, c'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde. On l'utilise en particulier dans le champ de la psychiatrie. Et je vais faire là un petit arrêt juste pour vous donner un point de comparaison. Je vais vous montrer ce que les thérapeutes qui vont petit à petit élaborer de nouvelles techniques d'usage du LSD dans le cadre de la psychothérapie attendent de cette substance. Donc dans un cadre particulier, avec un accompagnement particulier, on attend du LSD d'approfondir et d'accélérer la psychothérapie. D'abord parce que le LSD va ramener à la mémoire tout un matériel psychique extrêmement dense, extrêmement profond, fait notamment de reviviscence de souvenirs. Donc reviviscence, ce n'est pas réminiscence, on ne se souvient pas, on revit vraiment le souvenir. Et puis des associations d'idées qui sont nouvelles et qui sont très rapides et donc qui vont permettre d'approfondir la psychothérapie. Tout ça se fait sur fond de réduction de l'anxiété, qui est à nouveau produite par le LSD, ce qui permet aux patients ou à la patiente d'exprimer plus facilement ses sentiments, ses émotions. Et contrairement aux techniques qui existaient auparavant, donc comme la narcoanalyse ou le choc amphétaminique, les sujets restent totalement conscients pendant l'expérience et à l'issue de la séance, ils vont aussi garder en mémoire tout ce qui s'est passé et donc ils vont pouvoir, dans les séances ultérieures, cette fois sans la substance, pouvoir intégrer beaucoup plus facilement, avec l'aide du psychiatre, tout ce qui aura émergé pendant l'expérience psychédélique. Alors, l'attitude du psychiatre dans cette forme de psychothérapie nouvelle qui s'élabore à partir des années, du milieu des années 50, elle n'est pas du tout directive. Donc, le psychiatre laisse le patient ou la patiente vivre vraiment son expérience et n'est là que pour soutenir, pour encourager et pour être vraiment dans une attitude bienveillante parce que le patient ou la patiente va passer par des phases qui peuvent être difficiles, hein, notamment avec la reviviscence de souvenirs refoulés. Alors, rapidement à nouveau, je passe vite et puis on pourra y revenir si vous voulez pendant les questions, mais je vous ai mis un graphique ici qui oppose les deux types de psychothérapie qui ont coexisté du coup à cette époque dans l'usage de LSD. Donc, on a d'un côté ce que je vais appeler la thérapie psychédélique qui renouvelle du coup complètement les pratiques dans lesquelles on va d'abord informer les patients sur les effets, s'intéresser à leur bien-être tout au long de la séance, s'intéresser aussi à l'organisation et la décoration de la pièce dans laquelle la séance va avoir lieu pour que ça ressemble plus au salon de quelqu'un qu'à une chambre d'hôpital
traditionnelle qui est un peu angoissante pour n'importe qui, même sans LSD. Et puis, on s'intéresse aussi à l'attitude du thérapeute qui est complètement, là encore, renouvelée. On n'hésite pas à prendre la main, à caresser les cheveux, voire à prendre dans les bras les patients pour vraiment les accompagner dans le processus. À l'inverse, dans le modèle de la thérapie classique qui reste dans le cadre des thérapies de choc, ben là, on ne donne pas du tout d'informations aux patients. La justification qu'on donne à ça, c'est qu'on ne veut pas orienter l'expérience. Et puis, on ne s'intéresse pas du tout au cadre dans lequel la séance va avoir lieu, ni non plus à l'attitude que doit adopter le thérapeute qui reste du coup dans un modèle traditionnel, c'est-à-dire du psychiatre distant, froid, insensible un petit peu aux émotions qui vont pouvoir être exprimées par les patients. Alors, le principal psychiatre français qui va utiliser le LSD, c'est Jean Delay, qui est le plus grand psychiatre français de cette époque-là, qui a une influence considérable sur tout le reste de la psychiatrie française. Jean Delay qui travaille à Sainte-Anne à Paris et qui, lui, est particulièrement intéressé par la narcoanalyse. C'est dans ce cadre-là qu'il travaille, dans le cadre de la narcoanalyse. Et donc, il va intégrer naturellement le LSD à ce concept sans du tout le remettre en question. Il va appeler ça d'ailleurs l'oniroanalyse pour reprendre la terminologie de narcoanalyse. Alors, il donne du LSD à 72 de ses patientes de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne en 1958. Et donc, il est l'un des premiers, il est le premier à publier un compte-rendu de ses expériences en essayant de questionner les propriétés thérapeutiques du LSD. Et en fait, comme vous pouvez le voir, bien qu'il utilise des doses qui sont relativement faibles, hein, 75 microgrammes, pour vous donner un ordre de comparaison, les doses qui sont récréatives, la dose de base récréative qui est mentionnée par les consommateurs, c'est 100 microgrammes. Donc c'est un petit peu en dessous. Malgré tout, ce qui domine dans les expériences qui sont faites par les patientes, hein, je vous ai fait un nuage de mots à partir de leur témoignage, c'est plutôt la peur, le sentiment d'être en train de devenir folle ou d'être en train de mourir. Il y a aussi la question de la guerre qui est encore très présente dans les populations. On voit les squelettes, les cadavres, le sang qui reviennent beaucoup, la couleur verte qui fait penser aux uniformes des Allemands. Donc voilà, c'est des expériences qui sont assez difficiles pourtant Jean Delay ne remet pas du tout en cause sa pratique et il ne va pas chercher à la renouveler, même s'il a connaissance des travaux, notamment anglo-américains, qui commencent à se développer pour proposer une autre forme de psychothérapie. Alors, il y a un autre psychiatre de cette époque qui s'appelle Henriet, qui est l'autre grand psychiatre français de cette époque-là, qui se montre d'abord un petit peu critique. Il nous dit les sujets de Delay et Benda, c'est l'interne de Delay, étaient comme saturés d'angoisse et faisaient peu allusion à l'état d'euphorie qui lui était rapporté par ses thérapeutes anglo-américains qui utilisaient des nouvelles techniques pour utiliser le LSD. Alors, il utilise, lui, Henriet, le LSD dans son hôpital l'année suivante, en 1959. Et alors, je vous ai mis des extraits, un résumé des expériences les plus difficiles qui sont faites par ces patientes. Et vous voyez que ça ne se passe pas très bien chez lui non plus. Il y a des patientes qui hurlent, qui se roulent par terre, qui vomissent, qui pleurent pendant des heures. Et ce qu'il faut noter, c'est que finalement, l'équipe médicale note que l'expérience, elle a plutôt aggravé le tableau clinique. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas vraiment d'apport thérapeutique, mais en plus que les patientes sont plutôt aggravées. Après ça, il y a certaines patientes dans l'équipe, dans le service d'Henriet, qui ne parlent plus pendant plusieurs jours suite à l'expérience, tellement elles ont été traumatisées. Alors, Jean Delay, il va avoir une influence considérable, je vous l'ai dit, sur tous les psychiatres qui vont vouloir utiliser le LSD après lui. D'après mes recherches, il y a seulement 8 centres en France qui ont expérimenté avec le LSD à cette époque-là, donc c'est très peu par rapport à tous les autres pays occidentaux. Et l'une des raisons du fait que ce soit si peu, c'est que Jean Delay et à son tour ensuite Henriet trouvent que finalement, il n'y a pas vraiment d'application thérapeutique, et dans le cadre conceptuel, en tout cas, qu'ils utilisent avec le LSD. Alors, on a par exemple Roland Lanterre, qui utilise, lui, le LSD avec deux types de patients qui sont qualifiés de malades difficiles, résistants au traitement, les pervers sexuels délinquants et les éthyliques chroniques. Alors, les éthyliques chroniques, c'est des alcooliques, et les pervers sexuels délinquants, ils sont trois. Il y en a un qui est pédophile et deux qui sont simplement deux adolescents qui sont homosexuels. Et en fait, au début des années 60, l'homosexualité en France est considérée comme une pathologie, et dans le cas des
mineurs, eh ben, on peut les forcer à suivre un traitement psychiatrique dans l'optique de les rendre hétérosexuels. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai écrit un article sur le sujet et j'ai fait aussi une conférence qui a été filmée, qui est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à me demander les références. Alors Roland Lanter, il s'exprime à la Société médico-psychologique en 1960 et il présente un travail qui est en cours, donc sans donner de résultats. Et vous voyez que les doses sont extrêmement importantes, même aux États-Unis où on utilisait des plus fortes doses que dans le reste du monde, on dépasse rarement les 300 microgrammes. Alors là, Roland Lanter utilise 400 microgrammes avec les alcooliques et jusqu'à 800 microgrammes chez les homosexuels. Donc c'est des doses qui sont très importantes et qui sont là vraiment pour créer un choc chez le patient. Il en a certains qui déchirent leurs draps, d'autres qui pleurent, qui crient, qui s'enferment aussi dans le mutisme. Et donc, il décrit tout ça sans signaler qu'il met en place quoi que ce soit pour les rassurer à aucun moment. Alors ensuite, en 1965, on a son interne, Jean Veil, qui va soutenir sa thèse, cette fois juste sur les patients alcooliques. Et lui, dans sa thèse, définit tout de suite son travail par l'expression « cure par l'angoisse ». Donc son but, c'est vraiment de provoquer un choc très intense. Il va provoquer une psychose grâce au LSD chez ses patients. Et il prend en charge donc 69 malades dans son hôpital psychiatrique, seulement des hommes. Et vous voyez que la dose est encore augmentée puisque Roland Lanter n'utilisait que 400 microgrammes pour les alcooliques et lui va jusqu'à 830 microgrammes. Alors les patients sont isolés dans une chambre silencieuse et neutre d'aspect et la séance est qualifiée par Veil de très traumatisante. Même s'il nous dit que les séances sont suivies d'une psychothérapie, en réalité il nous dit aussi que ces patients, la plupart sont germanophones et donc il est pas trop, enfin lui ne parle pas allemand et donc il comprend rien de ce qu'il leur raconte et les échanges sont vraiment très compliqués, mais il s'entoure pas d'un interprète qui pourrait permettre de faciliter le dialogue entre ses patients et lui. Donc, on peut imaginer que la psychothérapie est quand même assez light. Alors, malgré tout, il présente des résultats qui sont très positifs, puisque selon lui, il y a 46% de ses patients qui ont vu leur alcoolisme amélioré après plus d'un an de suivi. La thèse de Jean Veil, malheureusement, donc c'est la seule en France, hein, c'est le seul travail qui présente effectivement des résultats bénéfiques avec l'usage du LSD, mais elle arrive en 1965 à un moment où le LSD commence à être de plus en plus stigmatisé en médecine et d'ailleurs elle fait l'objet d'aucun compte-rendu dans la communauté médicale, cette thèse-là, personne ne l'évoque en France et pas plus dans les pays internationaux, d'autant plus qu'à l'étranger, les médecins, notamment au Canada, avaient renouvelé leur pratique depuis le milieu des années 50 avec les alcooliques et ne pratiquaient plus ces thérapies de choc. Alors pour terminer, les Français sont vraiment restés dans ce paradigme du choc qui les a empêchés de concevoir que le LSD puisse être thérapeutique, n'ont pas cherché à mettre en place les différentes techniques qui étaient développées ailleurs. Et pour finir, je vais utiliser des extraits d'une conférence qui a été donnée par Jean Thuillet en 1965, qui est vraiment caractéristique. Ces extraits sont caractéristiques de la pensée psychiatrique de cette époque en France en lien avec le LSD. Alors il nous dit « Vouloir utiliser le LSD-25, la psilocybine et la mescaline, ces trois substances sont de la classe des psychédéliques, systématiquement comme instrument thérapeutique ne séduit guère. Cette exploration en profondeur, ce traitement des psychonévroses par les psychodysleptiques, et là c'est intéressant de voir le terme qui est utilisé par Jean Thuillet, psychodysleptique c'est un mot qui a été défini par Jean Delay, qui veut dire perturbateur mental, et jamais les médecins français ne vont employer le terme psychédélique, qui est inventé pourtant dès 1956, psychédélique qui veut dire révélateur de l'âme. Donc psychodysleptique, on voit qu'il y a vraiment une conception pathologique des effets du LSD en France, qui à nouveau ne permet pas vraiment de penser des effets du coup bénéfiques. Donc ce traitement des psychonévroses par les psychodysleptiques, même si les résultats sont meilleurs, ce qui est approuvé, donc là Jean Thuillet nie en fait les résultats qui sont démontrés dans la presse internationale de son époque sur les bénéfices thérapeutiques du LSD, même si ces résultats sont meilleurs que ceux qui sont obtenus avec le thiopental ou les amphétamines, donc là il dit très clairement qu'il relie le LSD à la narcoanalyse et au choc amphétaminique, me paraissent hérissés d'embûches.
Cependant, sous l'angle de la déontologie médicale, je veux élever des réserves contre la généralisation de l'emploi des psychodysleptiques comme moyen thérapeutique. Il n'y a en médecine que peu de bons exemples de traitement du mal par le mal, et toujours l'histoire montre que ce ne sont que des solutions d'attente. Alors, au moment où le LSD va finir par être classé dans la liste des stupéfiants de l'ONU au niveau international comme une substance dangereuse sans intérêt thérapeutique, en France, on a déjà complètement fini d'utiliser le LSD de manière expérimentale, et il y a un abandon qui est assez naturel en fait en France, puisque aucun médecin n'a vraiment réussi à démontrer d'effets bénéfiques de cette substance. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous mets mon adresse mail et puis mon site internet sur lequel vous retrouverez tous mes articles, mes conférences, etc. N'hésitez pas à me demander les articles en PDF si vous les voulez. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'imagine que les réactions sont nombreuses, les questions sont affluées. J'en ai, mais je ne vais pas toujours poser mes questions. Fait que la parole est à la salle si vous avez des remarques, des questions, des interventions, des demandes de précision. Moi, j'ai éventuellement une question. Léo. Allez. Merci beaucoup, Zoé, pour ton exposé. Je me demandais si ces médecins-là ne faisaient que des expérimentations médicales avec le LSD, ou est-ce qu'ils avaient aussi, parce que bon, c'est aussi une période où différents types d'expérimentations avec ce type de drogue, notamment des expérimentations littéraires. Et je me demandais un peu, voilà, si ces médecins-là, ils restaient vraiment dans un cadre médical et on n'avait pas de source qui pouvait laisser penser que ces médecins-là aussi pouvaient avoir un intérêt dans le LSD, un intérêt qui soit de nature spirituelle ou religieuse ou autre, ou artistique. Voilà, je me demandais si c'était des choses qui étaient apparues dans tes recherches. Alors, d'abord, juste pour préciser un petit peu, je fais partie de la première génération des historiens et des historiennes qui travaillent sur l'histoire de ces substances dans un cadre médical. Donc, l'accès aux sources est très difficile. On a beaucoup de mal à retrouver, en fait, les travaux qui ont été menés sur le LSD, parce que c'est devenu tabou ensuite. Et ça a disparu complètement des bibliographies, des auteurs qui avaient travaillé là-dessus. Pour le LSD en France, à ma connaissance pour le moment, il n'y a pas eu de recherches culturelles ou spirituelles qui ont été menées, mais par contre ça a été le cas pour d'autres psychédéliques. Donc il y a par exemple Sartre qui est venu prendre de la mescaline à la fin des années 30 à Sainte-Anne pour un travail qu'il avait à faire, qui faisait sur l'imagination. Donc il est venu à Sainte-Anne pour faire une expérience avec la mescaline. On a aussi Henri Michaud qui a pris c'est un poète qui est venu prendre de la mescaline à Sainte-Anne. Et ensuite, avec la psilocybine, il y a eu des études qui ont été faites. La psilocybine, c'est les champignons hallucinogènes, qui ont été faites sur d'abord sur les productions artistiques d'artistes qui venaient se soumettre à l'expérience à l'hôpital Sainte-Anne aussi, et qui étudier l'évolution de leur pratique artistique sous l'influence de ces substances. Et ensuite, on a fait aussi dessiner et peindre des malades de l'hôpital Sainte-Anne sous l'influence de psilocybine. Mais pour le LSD, il n'y a pas du tout eu cet intérêt-là en France. Ok, merci. Je me fais le relais de la question de Lise dans le chat qui dit « Existe-t-il des relations entre le champ de la psychanalyse et celui de cet embryon de médecine psychédélique ?» Alors, c'est une question qui est assez compliquée. Je vois dans les commentaires que quelqu'un dit que Foucault a pris du LSD. Ouais. Oui, mais du coup, c'est plus tard et c'est pas dans un cadre médical du tout. Et ça a été très peu documenté, en fait. On a assez peu de sources là-dessus pour Foucault. Alors, la question sur la psychanalyse, c'est assez complexe. Parce que, alors, en France, c'est un moment, les années 50-70, c'est un moment où la psychanalyse n'est pas encore très bien utilisée en France. Les psychiatres n'ont pas l'habitude, en tout cas les psychiatres de Sainte-Anne n'ont pas beaucoup l'habitude d'utiliser la psychanalyse. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais la psychanalyse a un peu intérêt de se dissocier en fait des psychothérapies qui sont menées avec le LSD, puisque on fait l'usage d'une substance psychotrope pour
libérer quelque chose dans l'esprit, alors que la psychanalyse repose seulement sur le discours. Et donc, à cette époque-là, pour gagner en légitimité, la psychanalyse a plutôt tendance à se mettre de la distance avec le LSD. Et pour la question... aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, je ne travaille pas, moi, sur ce champ-là, donc je ne saurais pas dire exactement quels sont les liens là-bas avec la psychanalyse. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. C'est... Attendez, je sais pas, on vous entend. Vous oui, ouais, très bien. Parce qu'il y a mes fils qui jouent là, alors. Bref. On n'entend pas. Mais je... très bien pour l'instant. Je pense que ce qui, enfin, moi je suis assez choquée, hein. Donc je suis personnel soignant, je suis assez choquée de ce que vous racontez, bien sûr, mais ça c'est normal. Et donc à chaque fois, ce qui m'apparaît quand j'entends des choses d'histoire de la médecine, c'est qu'il y a toujours la forme de hiérarchie, hein, de la blouse blanche vis-à-vis des femmes. Ou, enfin, j'ai l'impression que c'était souvent les femmes qui étaient oui. sujettes à l'expérimentation. Et donc, moi, ma question sur la psychanalyse, elle portait plus sur l'usage du langage et le fait d'entrer en relation avec son patient. Mais là, tout se passe comme si, dans ces expérimentations-là, il n'y avait aucun désir, justement, de nouer un quelconque lien avec les malades. Oui, c'est vraiment ça. Je pense aussi que la psychanalyse concernait d'autres types de patients que ceux oui. qui étaient pris en oui, charge là à l'hôpital Sainte-Anne ou dans les autres hôpitaux dans lesquels le LSD a été utilisé en France. Oui. Ce qui est certainement du coup différent aussi des prises en charge au Canada ou aux États-Unis où certains psychiatres ou psychanalystes ont vraiment intégré le LSD à leur pratique quotidienne. En fait, c'était dans leur service ou dans leur cabinet, ils utilisaient la substance. Ce qui n'a pas du tout été le cas en France où ça a vraiment été administré à des patients qui avaient des pathologies lourdes, qui étaient enfermés depuis... toute leur vie, en fait. Mmh. Et effectivement, c'est assez caractéristique que ça ait été employé particulièrement chez les femmes. Pour Jean Delay et Henriette, c'est exclusivement à des femmes qui l'administrent. Et donc, il y a aussi tout un rapport genré, en fait, de difficulté à entrer en contact avec les femmes, que ce soit physiquement ou verbalement. C'est quelque chose que j'analyse dans un chapitre de livre que qui sera publié bientôt, il y a vraiment une relation particulière en France, notamment parce qu'on l'administre à des femmes et à des femmes d'un niveau social et culturel très faible, en fait. Ce qui est le cas aussi pour les alcooliques qui sont traités par Jean Veille, qui ont une éducation qui est très pauvre et qui, il y a vraiment une distance de classe aussi qui s'instaure avec ces patients-là où on ne cherche pas du tout, en fait, à rentrer en contact avec eux, on leur fait un traitement et puis on attend de voir si ça évolue ou pas. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Semmelweis, à son donc ce médecin qui a introduit des manœuvres d'hygiène quoi, tout bêtement dans les maternités. Et, en fait, vous avez dit le mot quoi, c'est une médecine de classe tout bêtement et peut-être que la psychanalyse c'est une médecine de la bourgeoisie quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je me permets une question s'il n'y en a pas d'autres. En fait, tu as répondu déjà un peu à ma question qui est que finalement, ça reste de l'expérimentation en France. Dans le oui. sens où ça ne se rend jamais dans le commun des mortels et c'est des expérimentations. Mais je suis quand même surpris de t'entendre dire qu'il n'y a pas de prise en charge psychothérapeutique parce que de mon point de vue, puis je pense que c'était le cas pour les autres thérapies de choc, l'idée de la thérapie de choc, c'est aussi de choquer pour mieux ouvrir la porte à la psychothérapie. C'est pour mieux ouvrir la porte à la parole. Puis là, on dirait qu'ils abandonnent cette partie-là. C'est ça que je comprends. En fait, le problème, c'est que les méthodes sont très peu décrites. Donc, moi, ce que j'ai comme information, c'est simplement le moment de l'administration de LSD. Et on ne sait pas trop, en fait, ce qui arrive ensuite, ce qui est mis en place après la séance. Donc, théoriquement, effectivement, c'est le cas pour la narcoanalyse, par exemple, on attend que la séance avec le LSD fasse émerger des informations qu'on pourra ensuite réutiliser pendant la suite de la psychothérapie, cette fois sans la substance. Mais finalement, ce n'est pas très bien mis en évidence par aucun médecin que j'ai pu étudier. Et Jean Veille, qui est celui qui décrit le plus sa méthode, parle, lui, de psychothérapie, mais
n'explique pas du tout. Et comme je disais, il explique même que ses patients ne parlent souvent pas français. Donc, on se demande vraiment quelle est la psychothérapie qu'il y a après. Et puis, il faut savoir aussi que dans ces hôpitaux, à cette époque-là, il y a un médecin parfois pour des centaines de patients. Et donc, ils peuvent prendre un patient pour faire une séance au LSD une fois et peut-être le revoir seulement 3, 4, 5 mois après pour une séance de psychothérapie, parce qu'en fait, ils sont en sous-effectif total. Donc, c'est assez ambigu, en fait, cette question de la psychothérapie, en tout cas en France. Alors, ça ouvre la porte à ma deuxième question, que je me permets, puis après, je vais lire les questions dans le chat, mais quid des infirmières? Parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux infirmières, puis on voit que dans les thérapies de choc, l'apparition des thérapies de choc en psychiatrie, ça offre une possibilité aux infirmières de se professionnaliser parce qu'on va leur demander beaucoup d'être présentes, notamment dans la sunilothérapie. Elles vont développer des techniques particulières pour accompagner le malade, pour le resucrer, etc. C'est elles qui font la job, en fait, d'être là sur le long temps et pas les psychiatres. Et donc, est-ce que tu les vois, toi, les infirmières, dans ce que tu vois? Est-ce qu'elles ont un rôle? Est-ce qu'elles ont un rôle caché parce que les médecins n'en parlent jamais, etc.? C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on ne les voit pas. Elles ne sont pas du tout mentionnées par aucun des médecins qui a publié sur le LSD en France. On les voit apparaître parfois dans les discours qui sont retranscrits des patients. On dit, on voit que la patiente s'exprime à une dame. Elle dit « Madame, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça ». Donc, on voit qu'il y a des femmes qui sont présentes. Mais le problème, c'est que dans... les seuls comptes rendus dans lesquels il y a une retranscription des patientes où on voit qu'il y a une femme, en fait, il y a une femme dans l'équipe médicale. Donc, il y a une psychiatre qui est une femme. Donc, on ne sait pas s'ils s'adressent à cette femme ou si c'est des infirmières qui sont présentes. Certainement, étant donné que ça s'intégrait dans le cadre des thérapies de choc, il devait y avoir des infirmières qui étaient présentes un petit peu. Mais étant donné aussi que le but, c'est vraiment de provoquer un choc violent et que les patients sont souvent laissés seuls, ça, c'est vraiment mentionné, les patients sont laissés tout seuls dans la pièce. Pour l'instant, en l'état actuel des sources que j'ai, moi, c'est difficile de repérer quel était le rôle des infirmières. Et c'est vrai que ça a été mis notamment en évidence par Erika Dick, l'historienne Erika Dick, qui montre que les infirmières ont eu un rôle très important dans l'hôpital de Saskatchewan au Canada pour prendre en charge les patients, pour les soutenir. Et c'est aussi certainement quelque chose qui a freiné un peu l'adoption des techniques maternantes et d'accompagnement, de bienveillance, de contact physique aussi avec les patients. C'est-à-dire que pour les psychiatres, notamment en France, ce rôle-là, c'était celui des infirmières. Ça ne pouvait pas être le leur parce qu'il y avait une distance genrée, comme ça, des rôles qui étaient absolument genrés. Les infirmières étaient au contact des patients et eux étaient plutôt dans une attitude complètement distante. Donc voilà, pour l'instant, dans l'état actuel des sources, je ne peux pas repérer le rôle des infirmières dans les séances au LSD qui étaient faites en France. Merci. Je reprends le fil du chat. Donc, Marika, si vous avez un commentaire que vous voulez le faire de vive voix, allez-y. Le temps est à vous. Puis ensuite, je vais me faire l'écho des autres questions qui sont venues ensuite. Oui, on vous entend. Oui, j'ai trouvé très intéressant les deux interventions. Je m'excuse, le premier, je suis arrivée un peu en retard, donc voilà. Mais pour en ce qui concerne la deuxième, j'avais des petits commentaires. D'une part, effectivement, je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur le fait du. Il y a déjà la psychanalyse en France, elle est déjà en institution. Ce qui est intéressant, c'est par exemple Lacan qui fait sa thèse doit être dans les années 30. Il est quand même très très en lien avec les surréalistes qui quand même utilisent les substances, alors peut-être pas le LSD déjà parce que c'est, il n'y a pas encore, mais quand même c'est intéressant, enfin, il a le lien avec Bataille, etc. Donc c'est intéressant qu'il y ait ce clivage qui n'est pas impossible, hein, qui peut être un clivage de classe où effectivement certains types de drogues sont utilisés dans les milieux artistiques, etc., mais il n'y a pas nécessairement de lien. C'est comme quand vous parlez du fait de Sartre ou de Henri Michaud qui vient à Sainte-Anne, on imagine bien que ça ne se fait pas dans les mêmes conditions. C'est eux qui sont demandeurs et on leur inflige. Ils ne sont pas des sujets d'expérimentation non volontaires comme ce que vous avez décrit, mais je trouve qu'en soi, c'est vraiment intéressant. Une deuxième petite remarque. Je vous réponds juste sur ça parce que c'est vraiment intéressant. Là, c'est
ça montre à quel point c'était ancré, c'est que Sartre et Michaud ont eu des expériences très difficiles eux aussi, en fait, parce qu'ils ont été pris en charge dans ce modèle-là, dans lequel on ne les préparait pas du tout aux effets, et où on les laissait tout seuls dans des pièces blanches, sans aucune décoration. Et donc Sartre a été assez traumatisé, il a été suivi par des mollusques, des crabes, pendant un an, qui le suivaient derrière lui, il avait des retours comme ça de son expérience, et Michaud a fait des expériences aussi assez difficiles, au point qu'il a exigé, parce qu'il en a pris Michaud plusieurs fois, que les séances suivantes, après la première, se fassent chez lui pour qu'il soit mieux. Donc c'est dire à quel point, même pour ces personnes-là, c'était ce cadre-là conceptuel qui était mis en place. L'autre chose, c'est Michel Foucault, en fait, il est, comme on le sait, d'une famille médicale très importante, et que, en fait, moi, j'ai appris récemment, je ne savais pas, que ses petits copains de l'ENS, il les faisait travailler à Sainte-Anne. Il avait des entrées et en fait, il avait un rôle à Sainte-Anne. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant de trouver un lien comme ça. Comme vous dites, les sources doivent être très difficiles à trouver. Ça doit être éparpillé dans des données. Mais moi, ça m'évoque parce que mon mari, Michael Haussmann, travaille sur les nouvelles ritualités. Et ce serait très intéressant pour ce que vous avez dit sur la chiromancie, Léo, parce que c'est vraiment très, très intéressant, parce qu'il lie justement les nouvelles ritualités et les techniques médicales plutôt à des rites de divination. Mais ça, on pourra en reparler. Mais moi, ce qui m'a frappé en écoutant, je ne travaille pas du tout sur les nouvelles ritualités, mais j'en entends beaucoup parler parce que j'ai un atelier où des personnes présentent des choses comme ça, c'est le fait qu'il y a une histoire qui est faite du New Age qui ne rattache pas du tout le lien avec Esalen. Et donc dans les années 50, Timothy Leary, qui fait ses expériences donc à Harvard et qui aura bien des problèmes, qui est en lien avec Bateson, ça c'est un lien qui n'est pas du tout retrouvé. C'est des gens qui sont là aussi, il y a plein d'expériences qui vont donner les années 60-70, hein, c'est une suite, mais il y a un passif. Et dans l'historiographie qu'on fait, par exemple, du New Age, on tend, par exemple, à ne pas parler de Bateson, qui avait aussi des expérimentations donc, à Esalen. Donc, je trouve que c'est très intéressant que vous retravailliez l'un et l'autre. Ça paraît des sujets très distincts, puisque dans un cas, il y a effectivement ces usages de la thérapie de choc. Mais je crois qu'il y a quelque chose à réécrire vraiment de l'histoire. Et vraiment, je vous félicite parce que ça me semble très intéressant. Troisième, c'est sur les infirmières. À ma connaissance, je suis médecin psychiatre et ethnologue, mais à ma connaissance, dans les années 50, il y a surtout des infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques. Et du coup, ça serait quand même intéressant de voir un petit peu. Et les infirmiers psychiatriques sont utilisés souvent, malheureusement, plus comme des personnes de force quand il y a des problèmes. Donc, c'est intéressant. Et puis, justement, ce qui permettrait une expérimentation plus forte, j'étais en train de rechercher parce que, à l'heure actuelle, disons que les patients donc, sont amenés à Sainte-Anne, comme vous le savez, c'est le centre entre guillemets, de tri, malheureusement, des patients. Enfin, malheureusement, ils sont quand même bien mieux reçus. Mais effectivement, c'était quand même, ça a été un très grand lieu. Moi, quand j'ai fait ma préparation de concours de l'internat, il y avait des gens qui avaient déjà connu Henri Hay. Mais encore une fois, c'était très... il faudrait revoir cette histoire infirmière-infirmier, quelle est la proportion. À mon avis, à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas, à partir d'un certain moment, ça bascule, ça serait intéressant. Mais dans les hôpitaux psychiatriques, il y a eu longtemps surtout des infirmiers. Enfin, infirmiers qui n'avaient pas forcément, comme vous le savez, dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y avait pas une formation. Pendant longtemps, ce n'était pas des formations d'infirmiers diplômés. Les diplômes sont arrivés, d'ailleurs, la professionnalisation, c'est les années 20. Donc, tout ça est intéressant aussi. Mais l'idée que, éventuellement, tous les patients qui sont ramassés sur la voie publique ou qui posent problème et donc qui viennent par le biais de l'infirmerie spéciale de la préfecture de Paris seraient des gens, effectivement, d'un certain milieu social. Il y a sûrement des mélanges, mais je veux dire... Et là, on peut se permettre de faire des expérimentations sur des gens qui arrivent isolés. En tout cas, c'est des hypothèses, hein, je ne vous... des choses à explorer.
Merci du coup pour ces commentaires. Effectivement, alors, je pense que peut-être plus dans les services de femmes, il y avait plus d'infirmières dans les services de femmes, d'infirmières dans ces services-là que dans les services d'hommes. Et effectivement, pour l'instant, je n'ai pas particulièrement d'informations, comme je disais là-dessus. Et ensuite, sur le public qui était soumis aux expérimentations au LSD à Sainte-Anne, en fait, les personnes ne sont pas du tout décrites. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une moyenne d'âge, on n'a rien du tout. On sait juste que c'est 72 patientes nouvellement entrées, donc que le personnel médical ne connaît pas bien. Et c'est tout ce qu'on a comme information. Les patientes ne sont absolument pas décrits, ce qui montre aussi qu'il y a assez peu d'intérêt à leur égard. Merci. Merci. Je vais poser les deux questions qui sont en attente néanmoins. Puis on va essayer d'y répondre vite pour laisser les gens continuer leur vie ensuite. Il y a Paul qui demande, est-ce que les auteurs de l'époque décrivent les critères qu'ils utilisent pour évaluer la présence ou l'absence d'une amélioration clinique, même s'il a conscience qu'on est très loin de l'EBS, de l'Evidence-Based Medicine ou de l'Evidence-Based Practice? Alors, pas du tout. Le principe des articles qui sont publiés sur le sujet, c'est simplement de décrire des cas et c'est l'interprétation totale des psychiatres qui peut même parfois s'opposer totalement à ce qui est au témoignage des patients eux-mêmes qui, par exemple, peuvent dire qu'ils ont fait des expériences qui sont positives. Et donc, le médecin note que l'expérience a été positive, mais que lui a interprété les signes qui ont été donnés par les patients comme des réactions négatives. Donc, non, on n'a absolument aucune idée des critères qu'ils mettent en place pour évaluer l'absence ou la présence d'amélioration clinique. Jean Veil, lui, donc c'est le médecin qui utilise le LSD avec les patients alcooliques et qui dit qu'il y a 46% d'entre eux qui sont améliorés. Ce qu'il prend comme critère, c'est que les patients soient mieux insérés, qu'ils aient moins de problèmes familiaux et qu'ils soient mieux dans leur travail. Donc, ce n'est même pas une question de continuer à boire ou pas, mais c'est d'être mieux inséré dans sa vie sociale et professionnelle à l'issue du traitement au LSD, mais il ne donne pas particulièrement d'informations sur comment il évalue ça non plus. Merci. Et donc, je pose la question de Delphine qui demande, est-ce que les médecins cités pour leur pratique expérimentale autour du LSD en France pratiquaient d'autres types d'expérimentation à l'hôpital Sainte-Anne? Et si oui, j'imagine, comment se décide l'expérimentation? Alors, il y avait tout un tas d'autres types d'expérimentation avec tout un tas de substances psychotropes, hein, parce que c'est l'époque du développement de la psychopharmacologie. Hein, dans les années 50, l'équipe de Sainte-Anne est notamment très investie dans la recherche sur les neuroleptiques. Hein, c'est eux qui sont à l'origine de la découverte des effets neuroleptiques de la chlorpromazine, notamment en 1952. Donc, l'équipe de Sainte-Anne est totalement investie en fait, sur la recherche de cette classe de substances-là qui s'oppose complètement aux psychédéliques. Donc, il y a tout un tas d'expérimentations qui sont faites là-dessus. Et puis, l'équipe de Sainte-Anne est aussi la première équipe au monde à travailler sur la psilocybine, donc la substance active des champignons hallucinogènes. Donc, il y a énormément d'expérimentations qui se font. Comment se décide l'expérimentation? Là, je ne saurais pas du tout vous répondre parce qu'encore une fois, on n'a rien, on n'a pas accès à Sainte-Anne, en fait, aux archives. L'hôpital Sainte-Anne nous bloque l'accès aux archives et donc on a juste ce qui a été publié et donc rien du tout d'interne. On est incapable de dire comment ça se passe, ce dont ils discutent aussi entre eux, peut-être des différences sur les substances, on n'a rien du tout. Merci. Les gens disent merci. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres interventions, je vais remercier nos deux intervenants et intervenantes du jour pour leur belle présentation et pour leur présence. Je vais vous remercier toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui aussi pour les écouter et leur poser des questions. Et je vous rappelle que nous nous retrouvons pour une cinquième séance le jeudi 16 décembre 2021 autour de la question des nouveaux territoires de la folie avec Raphaël Gallien sur la folie à Madagascar et Grégory Dufaux sur la psychiatrie soviétique. Donc le jeudi 16 décembre 2021, si vous avez eu l'information pour aujourd'hui, vous recevrez l'information pour la prochaine séance par les mêmes canaux et par les mêmes biais. Merci encore à tous de votre présence et à la prochaine fois. Merci beaucoup.